En compagnie de Michel Dabouy qui va présenter Speedy Livré en quintet de ce samedi. Il a un retour à Enghien sur les 2150 mètres. On l'a pas vu depuis un mois. Pourquoi ? Bah, c'est un cheval qui a un gros problème de selle. Comme la dernière fois, elle a répété à Angoulême et que c'est un bel engagement, on n'a pas voulu prendre le risque de recourir. Est-ce qu'il a pu travailler correctement et dans les bonnes conditions ? Oui, il a travaillé normalement. On l'a emmené un coup sur la trottée sur l'herbe. Non, il n'y a pas de problème. Le cheval est en bonne condition. Puis en plus, c'est un cheval qui aime bien courir frais. Par contre, il n'a pas pris d'argent depuis le début de l'année. Est-ce qu'il a plus de marge ou est-ce que ça s'est mal passé dans l'ensemble ? Le cheval, il a eu des problèmes de selle. Il courait bien dans le GNT à la Capelle en faisant le faux départ, en partant derrière. Je pense qu'il aurait été troisième sans ça. Après, on a eu des problèmes de selle à Laval. Le coup qu'il a fait la rentrée à Vincennes, s'il peut sortir, il est second. Et puis voilà, si sa sème tient, c'est sa catégorie, mais on a ce doute-là. 2100 en Guyane, est-ce que ça va lui convenir ? Ah oui, je pense que 2100 mètres, c'est son meilleur parcours. Moi, c'est un cheval qui adore ce parcours-là. Après, voilà on va dans l'inconnu avec son pied. Mais au niveau conditions, vous ne seriez pas surpris de le voir faire l'arrivée ? Ah non, ça, c'est quand même un objectif depuis un mois. On a travaillé en conséquence. Le cheval, voilà, si il va être dans les 5 premiers, si ça ne bouge pas.